Comment ça, c'est pas un vroom? Vroom! Voilà, c'est ça! Les amis, qui est la moto la plus forte à Wilford? DJ! 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 Pas de raison que ça se passe mal. Est-ce que vous avez cogné ma table? Elle est un peu penchée. Désolée, je l'ai un peu poussée. Allez, on fera mieux de retourner à notre stand. À tout à l'heure. Merci à tous d'être venus à notre journée des jeunes inventeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire, je les félicite tous. J'aimerais maintenant vous présenter un projet particulièrement innovant. Deux de mes élèves, Scoutio et DJ, ont créé un accessoire absolument incroyable. Voici donc, sans plus attendre, la super proto-radio de DJ et Scoutio. Oh, tu as vraiment réussi à la réparer? Mais bien sûr! Que se passe-t-il quand nous allumons cette enceinte? Oh, dis donc, très jolie, ces petites lumières. Bon, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Bonjour, Zoomcam. On dirait que tu veux me dire quelque chose d'important, mais je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Je vais emporter tout ça au broyeur de déchets. Merci d'essayer de m'aider, mais je contrôle la situation. Oh, ça ne marche pas. Il faudrait vraiment que nos drones apprennent à parler. Ou qu'on apprenne à ton père à parler le drone. On doit le rattraper. Il nous reste pas beaucoup de temps. Oh,
c'est mon DJ, ses amis. Maman, on a besoin de passer, c'est urgent. Impossible, mon grand. Hey, vous allez devoir attendre que je traverse le pont. Oh, mais on peut pas attendre. Ou ce sera trop tard. J'ai fait une erreur et il faut que je me rattrape. On ne peut pas pousser le camion, mais vous pouvez peut-être le traverser. On a dit jamais d'erreur dans la distribution et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution? Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer l'autre colis! Il faut qu'on repère une moto à sauver! Zoom cam, action! Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Le coincé sur un lampadaire. Alors on va aller sauver ça. Accroche-toi, petit pneu. Ricky va te secourir. Pour commencer, je vais mettre la rampe sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux. Wow, wow. Tout va bien, Ricky? Ouais, vroomtastique, DJ. J'imaginais pas que ça rebondirait autant. Il a raison. Comment ça rebondit? Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, DJ. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi. Oh, Ricky! Ricky! Alors, Ricky et Loup, vous êtes les chariots traceurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites très attention, d'accord? Ma mère m'a nommé chef d'équipe, donc s'il y a un problème, ce sera de ma faute. T'inquiète, on fera pas de bêtises! Hein? Oula, ah non, mais ça, ça compte pas, ça! C'est bon, je m'en occupe! Hey! Oups! Désolé, Loup, ça compte pas non plus. Allez, on se concentre, on n'est pas là pour s'amuser. Vas-y, Scoutio, on t'écoute. Par quoi on commence? Il faut d'abord que je voie tout le circuit. Zoom cam, action! On se débrouille super bien. 1, 2, 3, peignez. 1, 2, 3, peignez. Attention, terminé. Et vroom, on a réussi. Waouh, t'as vu ce marquage? Il est trop beau. Ouais, on s'est bien amusé en plus. On efface tout et on recommence. Non, pas question. Je vais chercher ma mère pour lui montrer. Lui rapporter les chariots de toute façon. Passez vite, Scoutio. Wouhou! Même en tirant un chariot traceur, je vais plus vite que toi. Ils viennent d'un peu partout,
être réglé sur sa super puissance maximum. Je me rappelle avoir appuyé sur ce bouton, mais il est coincé. Et je n'arrive pas à le débloquer. Je vais essayer. Oh non, je n'arrive même pas à l'éteindre. Je peux pas l'arrêter. L'aimant est devenu hors de contrôle. Il faut vraiment trouver un moyen de l'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va le précipiter au fond d'un volcan. Pourquoi? Ça peut fonctionner. Peut-être qu'on devrait tout de suite le rapporter chez Maxwell. Mais sur la route, on doit éviter de pointer les mains sur des objets en métal. Je ne peux pas contrôler les mains. D'accord, je vais t'aider, DJ. Loop ne va pas louper. Et Scoutio est là aussi. Comment on va le conduire chez Maxwell? Il y a du métal partout. Allons bon, je ferais bien de fixer le ressort que j'ai perdu. Pour ça, je vais avoir besoin de ma petite clé. De l'antenne satellite pour faire fonctionner ma tablette, mais je ne peux plus le recevoir. Allez, fais un petit effort. Fonctionne. Ça, c'est sûrement à cause de l'orage. Elle est où, l'antenne satellite? Elle se trouve au phare du vent. C'est l'endroit le plus haut de tout Wilford. On ne peut pas y aller, le vent souffle trop fort. Je vais plutôt essayer de trouver le signal dans la rue suivante. Allez, maintenant, il faut que ça fonctionne. J'ai besoin de mes gadgets. Mes gadgets, allez. Wow, Scoutio a vraiment l'air énervé. C'est pas si grave s'il y a du vent. On pourrait quand même vérifier l'antenne satellite. Ça aidera peut-être Scoutio à faire fonctionner sa tablette. Allez, wow. Non, mais vous voyez à quelle hauteur c'est? Oui ou non? Oh, c'est carrément au ras du nuage. Les gars, il y a de plus en plus de vent par ici. Ça s'appelle le phare du vent parce qu'il y en a beaucoup. Je viens juste de comprendre. Allez, courage, on y est presque. Quand je commence à être nerveux, j'ai les roues qui tremblent. Est-ce que tu as peur en hauteur, DJ? Bien sûr que non. Moi, ce qui me fait peur, c'est de dégringoler de la hauteur. T'inquiète pas, c'est facile. Et vais juste de regarder en bas. Allez, Je dois surtout pas me retourner. Vous êtes toujours devant moi. Où est-ce que vous êtes? GPS, tu peux me dire où on est? Vous êtes au fond de l'eau. Mettez la bouée de sauvetage. Je sais qu'il y a quelqu'un par ici. Il bouge, mais je peux pas le voir. C'est parce qu'il est invisible. C'est pas grave, ça va pas m'empêcher de l'attraper. Feu d'artifice!
tu veux dire? Tu parles d'un ami invisible? Non, j'ai pas dit que c'était mon ami. Mais il est invisible et il fait du bruit. Dommage, j'avais un ami invisible il y a pas longtemps. Il s'appelait Bobilou. Ah, Bobilou. C'était un ami imaginaire. Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, j'espère qu'il est heureux aujourd'hui. Libre son gâteau. Salut les amis. D'habitude, je ne livre pas les gâteaux. Ils tombent trop facilement. La moindre petite poche peut les... Je sais qu'il y a quelqu'un par ici. Il bouge, mais je peux pas le voir. C'est parce qu'il est invisible. C'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de l'attraper. On ne reste jamais sans rien faire, même le dimanche.